Vous êtes excité à l'idée d'aller rejoindre vos amis à Quanticquiz. Au moment où votre train arrive enfin en gare, vous montez dans un premier wagon pour prendre place. Lorsque Bob vient pour monter à son tour, les portes sont fermées et il doit monter dans une seconde voiture se trouvant de l'autre côté du wagon-restaurant. Aussitôt le train en marche, vous savez que quelque chose cloche. Le train est pris dans une boucle infinie et ne se dirige pas vers votre destination finale. C'est alors que Kitou apparaît et vous donne une pièce de monnaie marquée 0 d'un côté et 1 de l'autre. Rendez-vous dans le wagon-restaurant à midi tapant. Vous pourrez apporter ou non votre pièce de monnaie. Bob recevra le même défi et il aura ce même dilemme. Je tirerai dans les airs toutes les pièces qui auront été apportées. Pour remettre le train sur la bonne voie, il ne devra y avoir aucun zéro. Mais attention, si ni vous ni Bob n'apportez de pièces, le train restera dans cette boucle à jamais. Votre défi? Sachant que vous n'avez aucun moyen de communiquer avec Bob, quelle est votre meilleure stratégie pour maximiser vos chances de n'avoir que des 1 sur la ou les pièces que Kitou va lancer? Prenez un instant pour réfléchir ou écoutez dès maintenant la réponse. Votre meilleure stratégie est d'apporter la pièce de monnaie avec une probabilité de 2 sur 3, ce qui vous donnera une chance de 1 sur 3 de réussir le défi. Explication. Nous voulons calculer la probabilité P que vous devriez utiliser pour apporter votre pièce et maximiser la chance C de réussir. Comme vous ne pouvez pas communiquer avec Bob, votre meilleure stratégie est aussi la sienne. L'équation pour obtenir C est calculée à partir des 4 scénarios possibles. Soit les deux vous apportent une pièce de monnaie, ce qui vous donne une chance sur 4 de réussir avec le résultat 1-1. On multiplie alors 1 sur 4 par votre probabilité P d'apporter la pièce et par celle de Bob. Soit vous apportez votre pièce de monnaie, alors que Bob n'apporte pas la sienne. Vous avez à ce moment une chance sur 2 de réussir. Il faut donc ajouter cette valeur, multipliée par votre probabilité P d'apporter votre pièce, et multipliée par la probabilité 1 moins P que Bob n'apporte pas sa pièce. Le même raisonnement est valide si vous n'apportez pas votre pièce, mais que Bob apporte la sienne. Et finalement, vous avez un échec à coup sûr si ni vous ni Bob n'apportez de pièce. L'équation peut être simplifiée de la manière suivante. Nous trouvons la valeur maximale de C en calculant la dérivée de cette fonction et en la mettant égale à 0. Et les chances globales de succès C deviennent... Pour représenter cette énigme sur un ordinateur quantique, nous utiliserons plusieurs portes quantiques. La porte note transforme l'état des qubits en leur état opposé. La porte Adamar place un qubit en superposition des états 0 et 1. Finalement, voici la version contrôlée des portes précédentes. Ces portes utilisent un ou des qubits de contrôle ainsi qu'un qubit cible. Si les qubits de contrôle sont dans l'état 1, la porte contrôlée est appliquée au qubit cible. Le circuit que nous allons construire pour résoudre cette énigme compte 10 qubits numérotés de 0 à 9. Le qubit 9 représente le succès ou l'échec du défi de Kitou. Le qubit 7 représente la pièce de monnaie d'Alice. Et le qubit 8, celle de Bob. En plaçant une porte Adamar sur chacun d'eux, nous avons une chance sur 2 d'obtenir 0 et une chance sur 2 d'obtenir 1. Pour déterminer si Alice et Bob apportent ou non leur pièce, nous utilisons les qubits 5 pour Alice et 6 pour Bob. Voyons comment Alice peut se servir de son qubit en utilisant une porte RY pour obtenir une probabilité P d'apporter la pièce. Définissons les 5 angles de rotation suivants. En appliquant ou non chacune de ces rotations successivement, il est possible de générer n'importe quelle rotation entre 0 et pi moins pi sur 32 par bond de pi sur 32. Nous utiliserons les qubits 0 à 4 pour déterminer si les rotations θ0 à θ4 sont respectivement appliquées. Pour évaluer tous les angles, nous plaçons une porte Adamar sur les qubits 0 à 4. Ainsi, lorsqu'un de ces qubits a une valeur de 1, une rotation de l'angle approprié est appliquée sur le qubit d'Alice avec des portes contrôle RY.
Comme Alice et Bob veulent apporter leurs pièces avec la même probabilité, des portes contrôle RY sont également appliquées au qubit de Bob. Posons maintenant les conditions de succès pour chaque situation. Si Alice et Bob apportent leurs pièces, c'est-à-dire si les qubits 5 et 6 sont dans l'état 1, ils relèveront le défi à la condition que les qubits 7 et 8 soient dans l'état 1. Puisque Q7 et Q8 ne peuvent être dans l'état 1 que si Q5 et Q6 le sont aussi, on peut faire la simplification suivante. Si Alice apporte sa pièce, mais que Bob n'apporte pas la sienne, la valeur de la pièce de Bob n'a pas d'importance et la situation est représentée comme suit. Et lorsque seul Bob apporte sa pièce, finalement, si personne n'apporte sa pièce, un échec est assuré et aucune porte ne doit être ajoutée. Pour évaluer le succès de chaque angle de rotation, il faut mesurer Q9 pour le succès et Q0 à Q4 pour les angles. Voici l'histogramme des probabilités de mesure pour chaque état. Comme le taux de succès est mesuré par un 1 sur Q9, nous pouvons éliminer tous les états qui commencent par 0. Petit rappel, les qubits sont notés de la droite vers la gauche. Afin d'aider à la clarté des résultats, les qubits qui ne sont pas mesurés ne sont pas illustrés. Voyons comment lire les angles de chaque état. L'angle de rotation autour de l'axe des Y est donné par... On voit que les chances de succès partent de 0 lorsque la probabilité P d'apporter les pièces est de 0 radian et atteignent un maximum pour un angle qui s'approche de 19 pi sur 32 avant de redescendre légèrement. Comme vu dans l'énigme des dates d'anniversaire, il est possible de déterminer que cet angle correspond à la situation où Alice et Bob apportent une pièce avec une probabilité de 2 sur 3. Et que les chances de succès pour sortir de la boucle infinie sont de 33% pour une telle probabilité d'apporter les pièces. Ne reste plus qu'à Bob et vous de trouver une manière d'apporter vos pièces avec cette probabilité.